Le jour où Photoshop, oui, le logiciel là, a trompé un pays entier. Comment est-ce que Photoshop m'a amené à la télévision ? À Bruxelles, on a genre le Palais de Justice, l'un des plus beaux au monde. Il est classé et tout par le patrimoine de l'UNESCO. Et ça fait genre plus de 40 ans qu'il y a des échafaudages sur le Palais de Justice. Je vais sur place, je fais une petite photo, je rentre chez moi, je regarde si c'est faisable. J'utilise le petit tampon de duplication que vous connaissez sur Photoshop. Je me rends compte qu'il y a moyen en fait, tu vois, que ça fonctionne. Du coup là je me lance, je fais une vidéo YouTube, je documente tout ça, je me fais un montage genre de 12-13 heures dans lequel je retire les échafaudages un par un en dupliquant les matières du palais pour à la fin avoir le palais de justice sans les échafaudages, tu vois. Et en fait là ce qui se passe c'est que le lendemain matin je regarde un petit peu internet et je vois genre que là il y a genre déjà 5-6 médias belges qui font un article là-dessus. Vraiment au fil de la journée c'est abusé, genre je vois 6, 7, 8, 9, 10 articles et je me fais contacter par la télévision qui est en mode on veut faire un petit reportage là-dessus ce soir pour le JT. Attends mais ça c'est ton montage à la fin ça? Là, c'est mon montage ouais. Tu repeintes un peu en haut parce qu'il y a des statues qu'on voyait même plus en fait à cause de ce chapeau d'âge. Genre avec un petit photomontage sur ce palais tu passes à la télé genre.